500 frères ont été créés tout simplement parce que ce sont des frères, des amis. Nous nous sommes assemblés tous ensemble et puis ça a drainé, ça a ramené encore d'autres et qui aujourd'hui ont la même conviction, l'esprit de groupe pour pouvoir mener à bien et sauver l'image et la jeunesse de la Guyane. C'est vraiment un mouvement populaire avec des associations, des collectifs, des syndicats. Il n'y a pas de politique, pas de politique dans ce mouvement. S'il advenait qu'un de nous partait dans un chemin politique, il sera réprimandé, il sera sanctionné. Donc, oui, c'est un collectif pour faire décoller la Guyane. Et tant que nous n'aurons pas gain de cause, nous n'allons pas lâcher parce que nous sommes déterminés. En gros, il manque tout parce que dans tous les pôles, il manque des points. Nous avons donné un cahier avec 33 pages. Aujourd'hui, ils l'ont élargi à 88 pages. Et nous, aujourd'hui, la santé, l'éducation, l'économie n'a rien eu. Après, vous avez le foncier. En gros, nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous devons continuer la mobilisation. On est toujours au même point. Il y a l'État qui, aujourd'hui, reste en stand-by et ne veut pas comprendre qu'il faille donner une suite au mouvement, puisque nous pensons que ce gouvernement est sur le départ et joue au sourd. Écoutez, le président Hollande est le plus mauvais des présidents, les sondages le disent, l'État de la France le dit. En gros, son silence ne veut que le qualifier. C'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera. Aujourd'hui, nous restons déterminés et nous irons jusqu'au bout, que ce soit ce président actuel ou le prochain. Nous allons mettre toute notre énergie à nous battre jusqu'au bout. Je n'ai pas été mandaté pour rencontrer les ministres ou le président. Je suis venu spécialement pour encourager et donner la force et la présence physique à cette population, aux Domiens, avec les mots que je vais utiliser. Nous sommes là pour leur donner le soutien fortement. L'association contre violence a toujours œuvré, œuvre encore et œuvrera demain pour l'intérêt général de la jeunesse, notamment sur le sujet des mules. Aujourd'hui, les 500 frères et Pop Violence, nous avons un projet de mettre en place les grands frères dans les quartiers. Donc aujourd'hui, les 500 frères et Pop Violence vont continuer le mouvement. Il n'y aura pas de fin pour ce mouvement. Il n'y aura pas de fin pour les 500 frères et Pop Violence. Nous sommes qu'au début du commencement et le commencement, c'est maintenant.